Bon, tiens, Jean-Luc Hensi pour Journal 9, et nous pratiquement connaissons, alors nous voyons que son personnage, et nous connaissons exactement qui est-ce qui est Winter Etienne, et puis qui est comme ça, milité. Winter Etienne a bataille depuis 1983. Il était en bataille pour voir Jacques Claude aller, nous avons bataille pour voir Norfi aller, nous avons bataille pour voir Avril aller, et nous avons en bataille pour mettre Jean-Bertrand Aristide d'être président. Et puis nous venons dans la bataille pour jeter Jean-Bertrand Aristide. Et les dernières batailles que nous avons faites, c'est bataille pour permettre que la démocratie soit respectée dans le pays. Hein, et que le président monté, le gouvernement monté, le parlementaire là, c'est pour faire travailler comme ça doit. Pour que le pays ait développé, pour que le pays ait avancé. Et que chaque monde qui a vu dans le pays vive dans le monde. Et petit, chaque monde dans le pays vive dans le monde. Pour permettre que nos bons pays et nos nations, côté chaque citoyen qui est à vivre dans le monde. Et ça, nous pouvons voir que faut nous gagné tout autant que moi-même t'ai toujours dit, tout autant que nous pouvons arriver dans la phase ça, Winter Etienne, pas de chambre, c'est pas de gourmet. Winter Etienne qui avance en âge, mais tout coup, vous le proverbe l'a dit, Tigla, vieux, mais ongles, pas vieux. Est-ce qu'on peut considérer Winter Etienne comme, entre parenthèses, un chef gang ou bien un groupe armé qui a groumé contre un système? Naturellement, de par carrière, nous, et on qui croit dans la force travail, et ça fait après bataille, m'aller commencer dans le lycée, et ensuite m'aller commencer dans certains collèges. C'est-à-dire que son aigle qui est habitué à travailler avec mon force, et je me fait même arriver à faire un dépôt. Pour vendre des produits gazeux, des produits alimentaires et vendre de l'eau pour me faire petit comprendre, pour me vivre dans le monde, pour ne pas dépendre de personne avec moi et ma propre vie. Donc, nous ne pas lever la donne, nous lever nos familles qui gagnent déjà, qui sont habituées et prennent soin de petit bio, et c'est nous sommes levés, donc nous ne pas lever dans l'hostile gang. Nous, en bataille politique, les cas toujours été comme fait sans âme longtemps. Mais le film prend leçon qui était faite en 1994 là. Leçon en 2002, côté massacre qui était fait sur Raboto. Donc nous disons désormais, nous ne pouvons faire bataille sans que nous ne pouvons défendre tête nous encore. Nous sommes obligés de rentrer dans la bataille côté. Et puis, un président monte le premier cas de massacre à Raboto. Nous avons une équipe qui campait pour défendre, pour empêcher que le massacre soit fait. Même massacre 1994 là, même massacre 2002 arrive fait dans Raboto. En tant que professeur, en tant qu'enseignant, comment élève, comment étudiant, ouais, ou, là, on connaît que c'est un homme qui a un examen, mais qui a un groupe nègre à examen, mais où, dans la ville de Gonaïs. Bon, premier bagage pour moi, élève, je connais, des salines, si pas de examen, mais il peut pas bailler, il peut y avoir indépendance. Des salines sont qui étaient déjà libres, tous ces sont qui étaient déjà libres, mais en dépit de liberté que vous avez, même personnel, vous avez trouvé nécessaire pour avoir liberté à l'autre frère, à l'autre partisan. C'est pourquoi que, vous venez joindre que, dès que ça va prendre un examen contre les colons, nous-mêmes, nous prenons armes contre tout dictateur en tant que pays qui est sous l'obéissance internationale. Qui peut-être que nous avons acheté? Non, nous n'avons pas acheté. Jusqu'à présent, nous n'avons pas acheté les armes. Qu'est-ce qui nous? Les armes, ça y est, nous avons déjà, c'était une équipe, l'équipe Niki, qui a fait l'élection, qui était à Eli. Et il faut tout pour nous comprendre. Non, bien. On parle de Michel Matéli. Michel Matéli, et deuxième équipe qui vient là. Ces armes nous prennent sous Jovenel Tebaï dans la zone. Là. Moi, je viens de la zone. Là. Jovenel Tebaï dans la zone. Zone, là, elle t'a parlé dans l'élection. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Okay. Et c'est pour tout pour nous comprendre le bagage, c'est que l'élection présidentielle, ça va être fait séparément. Il va faire même là avec le sénateur. C'est le deuxième tour, Jovenel, là. Il va nous, il va examiner dans la zone là, pour faire l'élection. Jodia, nous devons nous parler de. Nous pas faire cette théorie avec Ariel Henry. Nous voyons que. Nous-mêmes dans le quartier Raboto, nous étions morts du cul par rapport avec Akko Montana et puis Akko Pen. Je dis à qui ça derrière la motivation ça, qui ça nous voulait même directement pour le pays en soi. Bon, question ça, il est capable d'une réponse longue, mais après du de façon plus. Qui problème n'y est? C'est le problème de comment le président monte sur le pays. C'est un problème constitutionnel. Le président monte constitutionnellement, mandat président qui mourra. Il finit 7 février 2021. Alors que le Premier ministre a nommé pendant que le président perdit le pouvoir. Donc, le président de facto, il met le Premier ministre de facto. Malheureusement pour le Premier ministre, avant le président mourir, il n'a pas le temps d'installer le Premier ministre. Donc, le Premier ministre n'a pas installé. Deuxième bagage pour qu'on ait, l'air installé le Premier ministre, il faut le passer, il faut l'approuver par le Parlement. Pas de Parlement pour approuver le Premier ministre. Donc, nous n'en de facto net,
nous avons une illégalité totale capitale et nous-mêmes nous voulons retourner en la constitution 1987 là, amendée en 2011 là. Donc, si pour nous faire pour retourner à Dan, faut que monsieur qui est premier ministre connaît passer par là. Et pour passer par là, il faut que nous avons un consensus entre tous les partis politiques, entre toutes les organisations politiques et civiles dans le pays, pour permettre que nous choisissions un consensus, un premier ministre ou un président qui a choisi un premier ministre, ou bien un conseil d'État qui a choisi un premier ministre, pour permettre que nous menions par pays vers les élections. Et avant même les élections, nous devons besoin gagner sécurité totale capitale avec le pays. Ensuite, organiser jugement toutes les qui ont participé dans le Petro-Caribe. Organiser toutes les jugements, toutes les qui ont fait massacre sur la Saline et dans d'autres zones dans le pays. Donc c'est à ce moment-là que on voit qu'on est si on peut faire élection. Nous et Ariel Henry dit, ils ne font pas quitter en Panago et ces élections là organisées dans année 2022. Dans ce sens, ça nous répond. Et je voudrais te dire plus que ça. Jusqu'à ce que la mort pour partisans de Joël. Est-ce que ces partisans de Joël tuent tout? Nous ne connaissons pas. Je ne sais pas que nous connaissons. Moi-même, je n'ai pas le 7 février avec Ariel. Il y a l'autre équipe qui a un rapport avec le 7 février. Moi-même, je dis que Ariel, c'est un dictateur. Son homme qui bat un coup d'État, qui tue un président, il prend le pouvoir. Nous disons qu'il faut le remettre. Donc, pour changer, avril, il prend le pouvoir. Ce qui n'est pas qui prend. Eh bien, il doit le remettre. Chaque monde qui prend le pouvoir ça, dans le pays, de façon illégale, toute population touche comme d'ailleurs. Et si tu prends l'illégal, peut-être qu'on a pris un bagage sérieux, peut-être que la vie peut améliorer, peut-être qu'il y a une sécurité dans ton pays, peut-être que dans tout petit temps là, où tu as organisé tout ça qui est bon, et ça tout le monde n'a pas vu. Deuxième bagage pour nous comprendre. Même si Ariel est légal, Ariel a gagné 90 jours à 120 jours pour organiser l'élection dans le pays. Il va organiser. Donc, il y a encore, nos bagailles nous sont encore plus illégales. Parce que même l'État de facto, je te monte, il faut organiser l'élection dans 90 jours ou bien 120 jours. Ariel n'a pas le bruit sous 6 mois. Donc, il ne va organiser rien. Il ne va pas s'organiser rien. S'il devait organiser, il devait avec tout le secteur dans l'époque de fait monter pour permettre que de réaliser de bonnes choses entre pays. Nous avons tourné sur ça avec question d'âme. Qui ça qui t'a dû faire ou bien à qui condition Winter Etienne et consort a accepté de déposer ça? Nous faisons déjà. Nous faisons 2004. Nous faisons une bataille et nous réunissons le premier ministre sur place là. En présence de forces étrangères qui sont là, nous remettons. Et nous disons même bagarre la préfète. Depuis président, depuis mon président provisoire, le premier ministre monte, le gouvernement fonctionne, nous-mêmes n'avons pas mis ça. Mais nous connaissons que ça, on dit que cartouche, nous faisons qu'il n'y a pas une cartouche. Si vous faites non, pourquoi nous avons une cartouche achetée parce que même la police a payé. Il y a des cartouches que j'ai achetées, c'est dans même policier. Oui, des policiers qui n'ont pas de contrebande. Des policiers n'ont pas de contrebande. Des policiers qui n'ont pas de contrebande. Ah bon? Vous allez demander combien vous faites venir ici, entre Port-au-Prince, vous avez des armes, tout le monde. Il y a des gens qui ont fait contrebande dans le pays, dans la question des armes, des munitions. Nous-mêmes, nous pouvons acheter des armes. Seulement, les armes, nous avons des gains, c'est nous utilisons. Mais qui différence qu'il y a un groupe Winter Etienne avec 400 Marozo, GF et Allié, Tibois, Grand Ville, Village de Dieu? Différence invisible, comme question, il faut le poser, mais une différence invisible. Nous-mêmes, ici, nous avons tapé le monde. Nous ne pouvons pas prendre des gens sans moyen. C'est nous-mêmes qui dégageons. Nous après des guerres. Là, c'est les gens naïfs qui mettent ensemble, tout le monde naïf, pour mettre des corps, pour acheter des munitions. Nous jouons sous ça et puis nous mettons des corps. Donc, citoyens naïfs, citoyens naïfs, qui contribuent, nous dérivons à 1 250 000 gouttes. Nous achetons des munitions avec elles et puis nous mettons des batailles à la campée. Et puis jusqu'à présent, là, nous avons résisté. Mais je dis à là, nous-mêmes, qui ça nous voulait que vous faites là? Vous pouvez mettre le pays à lui-même, il va aller en sous. Nous demandons un conseil de gouvernement. Nous demandons le droit, mais nous avons entendu le BTC. Nous avons le vaccin. Ce conseil de gouvernement, ça va former un gouvernement avec un consensus avec toute notre partie politique, toute organisation civile et politique, nous montons au gouvernement. Dès que le gouvernement monte, il y a le travail pour mettre KEP, il y a le KEP, il y a entré dans tout dossier sécurité nationale, il y a entré dans tout dossier pour faire jugement, nous-mêmes nous disons. Depuis le gouvernement monté là pour mettre des armes. Et la différence, nous, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas des armes pour nous faire mal. Nous n'avons pas des armes pour nous rançonner le peuple. Nous n'avons pas des armes pour nous faire peur. Mais nous n'avons pas des armes pour nous défendre nous, pour nous empêcher le massacre qui était fait en 1994. Nous faisons encore pour nous empêcher le massacre qui était fait en 2002. Bon, ici, en Raboto, pas fait encore.
Voilà, nous avons remarqué à chaque fois que on dit des journalistes allaient dans le ghetto, donc au journal 9, nous avons souvent vu que les gens dans le ghetto ont des nez qui ont fait antenne, qui ont fait examen. Mais nous avons remarqué ça dans le ghetto. Est-ce que c'est un signal de la voie? Le ghetto, nous pas presque pour le moment servi à examen la journée. C'est le soir, nous avons fait patrouille pour nous empêcher que nous pas venir envahir nous. Nous avons fait patrouille avec ça. Mais la journée, après tout le monde là, donc nous avons fait soldat. Bon, le gouvernement qui l'a fait façon. Au qu'on est venu là pour le 1er janvier, ça a été révélé. Il y a un plan avec le ministère de la Défense là pour venir attaquer Raboto, venir massacrer mon Raboto. Le plan ça nous dit pas passer parce que nous parlons, nous prêts, comme ça, ça va venir. Et cette fois-ci, si on vient là attaquer nous, on a fait plus que ça nous a fait déjà. Winter Etienne et Consort, tu es couru de Ariel Henry, mais est-ce que pas un bras derrière Winter Etienne et Consort? On a parlé de l'autre nègre qui n'a cité privé à. Entre parenthèses, Daniel Kassi, André Michel, Nexa, il va contacter nous. Non, nous ne sommes pas servis avec Abolocho nous-mêmes. Nous servons à mon petit conseil. André Michel, c'est Abolocho? Oui, nous disons que nous ne sommes pas servis avec Abolocho parce que pour montrer nos pouvoirs, il faut que nous sachions le faire pour sécuriser le peuple. Pour montrer nos pouvoirs, il faut que nous sachions le faire au niveau social au peuple. Pour nous dire qui plan gagner économique. Pendant ce temps, ça pour permettre que les jeunes qui sont formés, les jeunes moyens, soient capables de fonctionner. Pour permettre que nous avancions ensemble. Donc c'est ça qui est le plan par nous. Si nous ne pas entrer dans la pièce du gouvernement, qui ne pas être bon plan, qui va faire de route. On fait une route qui est tracée par un ensemble d'organisations politiques, un ensemble d'organisations civiles, pour dire mes côtés nous sortir, mes côtés nous aller. Est-ce que si le gouvernement a monté la table, les Winter Etienne, pour bien un job, directeur général, ministre, ou bien n'importe quel job dans le gouvernement, est-ce que la politique est battue? Il y en a eu un peu de militants fait, même à l'issue de la plume de fer. L'homme militant, c'est défenseur peuple, pas pour elle prendre un job comme ça. Si ce n'est pas vous-même qui mettez le monde sous pouvoir, pour elle travailler avec elle. Dès qu'il y a un job dans la main, on bouche au mari, vous venez pas encore dire encore. Moi-même personnellement, je ne pas chercher de job, pas chercher de poste ministériel, mais par contre, si vous demandez mon ministre, je vais vous offrir un ministre. Ça, si vous demandez, je vais vous demander ça. Et ça fait un débat avec Ariel, elle a fait compter. Nous disons qu'il faut la partager. Pour nous avoir des ministres qui ont passé, qui ont participé dans le gouvernement là, pour permettre que ça qui a décidé nous en dedans, pour nous connaître ce qu'a fait là, et pour nous faire adhésion par nous, pour nous faire proposition par nous. Et pas le faire, nous-mêmes nous entrer dans la rébellion contre le capital. Winter Etienne, puisque nous connaissons même aussi un monde qui a toujours été, et on aussi peut-être raide par rapport avec les assoyaux. Je dis à un conseil national de transition, et qui analyse pas sur Edgar, le sénateur Edgar Leblanc. Mais ça, vous nous comprenez ce que vous là. Choix président, il a fait. Et Montana a choisi Moun pour le voyer en deux conseils là. Il a choisi Moun livré. Deuxième choix qu'on a, il va sortir en dedans l'ordre d'organisation qui est en dedans le mouvement qui est sur sa signe. À partir du moment que il a choisi le conseil, qui problème Moun a gagné et que tout secteur représenté pour mon conseil, ensuite je vais jouer au premier ministre, mon gouvernement ensemble. Qui problème pour nous gagner pour payer après un rail pour l'avancer. Les ça sont des consensus qui fait. Mais quand il y a ça qui fait là, son nec qui tue président, il prend pouvoir avec équipe et puis il a fait ça le bitou. Donc là, nous avons le côté de bras la velle, pas de rien qui fait en fait au niveau social qui montre que nous avons un changement de capital, ni au niveau économique, ni au niveau politique. Et nous-mêmes, nous disons que nous allons plus loin. Nous voulons la décentralisation économique, la décentralisation sociale, décentralisation culturelle et décentralisation politique. Nous voyons que la communauté nationale a toujours dit qu'elle était approchée ensemble avec Ariel Henry, surtout. Et dans le 7 février, elle dit pas lié avec le mandat Ariel Henry. Il dit Ariel Henry là pour organiser de très bonnes élections dans le pays. Selon nous-mêmes, comment nous comprenons la position de la communauté nationale, notamment les Américains? En 1802, le Toussaint fin fait constitution 1801. En 1802, pour la France voyait une équipe de venir débarquer ici, venir rétablir l'esclavage. Alors qu'en 1991-1993, ils ont aboli l'esclavage en Haïti. Pourtant, en 1802, au Brésil, Napoléon venait pour rétablir l'esclavage. Ils ont même arrivé à arrêter Toussaint Louverture. Après Toussaint Louverture finalé, ils étaient dit on va tuer des bois, mais racine après pousser encore. En époque, ça, les gens disent non. Est-ce qu'on va avoir rien à finir? Il retourne avec elle. Mais, on va le grand tour, créer des salines, qui fait quelques tirs quand même, parce que, lui, elle prend pétition. Là, elle prend Rico. Là, elle mettait bon côté pour faire révolution. Alors que, mec, ça, yo, tout s'était chassé, yo, en 1801, il était quitté pays à y aller.
les têtes tous ces films brevillat dans le nord, ils passent prend dans l'ouest, Pétion, ils passent prend Hugo dans le sud, tout est sorti qui était payé, ou alors tout est sorti, on va le retourner encore avec dans l'expédition de Guinée, c'est reste à des salles faire, et c'est même avec Nexao qui a assassiné en 1806, parce que pas de faire alliance avec Nexao. Donc tout dit clair, il y a toujours des gens qui veulent qu'un pays dans l'esclavage. A toujours des gens qui veulent qu'un pays a en bas dictateur. A toujours des étrangers qui veulent qu'un pays a pour ne pas jamais développer. Pour qui ça, Américain, pas jamais investi pour venir développer mine nous, exploiter mine nous. Nous avons mine pétrole, nous avons mine ciment, nous avons mine l'or. Pour qui ça, pas jamais exploiter. C'est toujours nos politiques politiques. Il y a là pour qu'un monde, c'est ça après la politique de doublure qui était passée en 1844 à 1888. Et on veut toujours mettre les gens qui ont commandé, les gens qui ont appelé, qui ont pris sur eux, et nous disons nous-mêmes, nous voulons un président libre, pour qu'il y ait un président pour nous. Nous voulons un président indépendant, capable de diriger le pays dans l'intérêt communauté, dans l'intérêt nation. Dernière question, dans la bataille qui va mener, qui est le sénateur de la Tortue? Le sénateur de la Tortue, c'est un Gaboto. Je vais vous apprendre Gaboto. Sénateur Sénégal, c'est un Gonaïve. Je vais vous apprendre Gonaïve. Ils sont haïtiens conséquents. Ou est comment on était conséquent, d'ailleurs nous joyeux pour lui, nous contents pour lui et nous féliciter, parce qu'il n'est pas entré dans la même logique avec tout le monde qui est entré, elle prend poste et puis quitter le peuple à terre. Nous féliciter pour ça. Non, nous pas chercher financement dans le même grand monde. Nous avons tout le pays qui a financé nous, nous avons besoin de nous connecter, si nous avons besoin de nous, si nous avons besoin de nous exiger. Est-ce que nous avons une manifestation qui a préparé? Oui, nous avons préparé parce que nous avons besoin de mettre le peuple à la rue pour dire non, pas avec Jovenel et pas avec Ariel. Et puisque pas avec Ariel, mon cap parle d'Ariel, et puis je prends Ariel, mettre la caillou. Ok. D'accord. Merci. Merci, pardon. Ok.